l'intérieur, vite, dépêchez-vous. Les bombardements s'intensifient de plus en plus. On sera en sécurité ici. Pour le moment, en tout cas. Nous les avons perdus de vue, il va falloir envoyer une patrouille de la peste. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Ils ont vite fait de retrouver notre piste maintenant. Prince! Êtes-vous blessé? Comment vous sentez-vous, Altesse? Non, je vais bien, mes amis. J'ai seulement besoin de me reposer un peu. Oh, c'est un humanoïde. Mais qui êtes-vous et comment vous appelez-vous? Je pense que nous pouvons leur faire confiance, Altesse. Je m'appelle Dex. Prince des Denoï. Et on m'appelle aussi le mutant masqué. On m'a confié le pouvoir de combattre le mal et l'injustice. L'air est respirable ici. Nous sommes suffisamment loin des mines et notre air est similaire à celui de la Terre. Je vous ai révélé mon identité. Ayez confiance et révélez-nous la vôtre. Je suis Tommy. Adam. Je m'appelle Billy. Rocky. Aisha. Voici mes amis. Zarius. Danaïs. Et Faria. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu sur Edenoï? Nous sommes les Power Rangers. Nous protégeons la planète Terre. Nous avons été envoyés par Zordon et Alpha 5. Nous devons évaluer la situation et faire un rapport concis de notre mission. Dites-nous, Dex, qu'est-il arrivé à cette planète? Et à quoi servent ces cristaux que vous portez au front? Je vais vous montrer. Les mines des Denoï produisent ces cristaux qui nous permettent de projeter nos pensées ainsi que des images. Le comte du dragon noir a réduit notre peuple en esclavage et le force à travailler dans les mines. Cela libère des gaz nocifs qui finiront par détruire totalement notre planète. Mais comment est-ce que ça s'est produit? Voyez-vous, Edenoï était une planète où régnait la paix. Nous n'avions aucune raison d'avoir une armée pendant plusieurs siècles. Le comte du dragon noir le savait pertinemment. Et profitant de notre vulnérabilité, il nous a attaqués. Nous n'étions pas prêts. Nous sommes une race d'érudits et d'artisans. Le prix à payer fut notre liberté. Certains ont réussi à s'échapper, mais beaucoup vivent dans la clandestinité. Voilà ce qui est arrivé à notre planète. Dex, comment êtes-vous devenu le mutant masqué? Ce pouvoir du mutant masqué était enfoui au cœur des Denoï depuis des siècles. Chaque roi transmettait à son successeur le secret de son existence. Il était toujours prêt à l'action, mais personne n'avait eu à s'en servir. Le pouvoir d'utiliser cette force m'a été accordé par mon grand-père, le roi Lexus, quand il s'est aperçu que nous allions perdre la bataille contre le dragon noir. Il ne doit absolument pas s'emparer du pouvoir du mutant masqué, car grâce à lui, le comte deviendrait invincible. La galaxie tout entière courrait un grave danger. Tant que le roi Lexus ne sera pas réinstallé sur le trône, le peuple des Denoï subira le joug de l'agresseur et sera forcé de travailler dans les mines, risquant ainsi de se détruire lui-même, malgré les efforts du mutant masqué. En attendant ce jour, nos forces rebelles continuent de se battre bravement. Et je suis forcé de vivre en hors-la-loi sous l'armure du mutant masqué et d'apporter un peu d'espoir à notre peuple. Quelqu'un essaie de nous contacter sur le Vistaglum. Kim Burley, c'est toi? Alors, comment tu te sens? Alpha, est-ce que tu as des nouvelles des autres? Pas encore, mais ne t'inquiète pas, Kim Burley. Soigne-toi, c'est tout ce qui compte. D'accord, tu me tiens au courant. Mais oui, bien entendu. Je te préviendrai dès qu'ils entreront en contact avec nous. Que j'ai du charme, alors il veut que je passe chez lui, tu te rends compte? Oh, c'est vrai? Si tu veux, tu n'as qu'à venir aussi. Tu dis ça sérieusement? Ma vie, viens, viens. Oh. Allez, raconte-moi tout. Bon, d'accord. Alors, au début, j'ai dit de rien. Salut, Skull. Salut, Bulk. Hey, regarde ces deux filles-là, qu'est-ce que t'en dis?
Jolie. Oui. Très, très, très jolie. Oui, je sais. De quoi tu crois qu'elle parle ? De mon physique avantageux. De mon séduisant profil. Non, crème d'andouille. Des Power Rangers. Elles sont absolument dingues de ces ringards de Power Rangers. Et alors ? Et alors, c'est évident. Et quoi donc ? J'ai encore une brillante idée. Stop ! Désolé, je repars pas à la recherche des Power Rangers, j'en ai ras-le-bol. Écoute ce que je viens de dire. Et ça ne sert à rien de les chercher parce que on vient juste de les trouver. Et bravo, Vilky. T'es un génie. Bon, alors en multipliant l'analogue algorithmique géométriquement par... Oh, mais vous allez arrêter de me suivre partout, tous les deux ? Oui. Ouais, Finster, je veux mon nouveau monstre. Je ne vais pas attendre pendant un siècle. D'autant plus que le comte du dragon empiète sur vos plates-bandes. Golgar, espèce de crétin ! Tu ne pouvais pas te taire, non ? Tu sais pourtant qu'il ne veut pas qu'on prononce son nom. Le comte du dragon noir ? Allez, oh, je le hais ! Oh, je le déteste ! Oh, j'espère que sa propre méchanceté l'étouffera jamais ! Notre ami Alpha veut savoir ce qui est arrivé à votre roi Lexus. Lexus est mon grand-père. Il organise la résistance, il veut que son peuple s'échappe. Il est en sécurité pour l'instant. Je t'assure, ça s'est passé comme ça au début, j'en venais pas. Franchement, t'imagines ? Je meurs d'envie d'y aller, mais d'un autre côté, je suis en retard. Alors dis-moi, Skull, comment as-tu découvert que les Power Rangers allaient venir ? Oh, mais je viens de dire Power Rangers. Je l'ai appris d'une source extrêmement sûre. Et c'est comme ça que je sais que les Power Rangers vont venir, Bulk. Et dis-moi, est-ce que cette source extrêmement sûre a vérifié si les Power Rangers se rencontrent effectivement tous les jours dans cet endroit secret ? Oui, oui. Allons, baisse un peu la voix, Skull. Tu sais bien que cette information est top secrète. Oh. Alors, dis-moi où et quand les Power Rangers vont débarquer. Et d'accord. Eh bien, tu vois la bretelle qu'on prend en quittant l'autoroute ouest. Oui, je vois. Continue. Eh bien... En avant, Griffu, détruisez les rebelles et leurs nouveaux compagnons d'armes. Les griffus ! Les griffus ? Ce sont de villes créatures envoyées sur Edenoï par l'envahisseur. Hein ? La patrouille pestilentielle est de retour. Faites-les sortir de leur trou, nous allons les massacrer ! On dirait que leurs griffus aussi ont l'intention de s'incruster. Bon sang, cette fois-ci, on est coincé. Silence, Griffu! Attaquez-les au lieu de bavarder! Patrouille de la peste! Écrasez-moi ces rebelles! Je sais comment nous débarrasser de ces trois monstres. Mais il faudra bien s'occuper de la patrouille. Ça, c'est tout à fait dans nos cordes, à mon avis. Oui, on se charge de la bande d'affreux. On sait que vous vous cachez là-dedans, espèce de dégonflé! Sortez! Il va regretter ses paroles, lui. Écoute-moi, Prince Dex! Toi et tes petits copains déguisés, vous allez sortir de votre trou à rail en vitesse! Sinon, on va vous envoyer les griffus! Ils vont tous vous tailler en pièces! C'est maintenant ou jamais! Pour le pouvoir! Pour le pouvoir! À nous de jouer! Ranger, en avant! Vous l'aurez voulu, espèce de barbare sans quoi-ni-lois! Nous allons vous combattre jusqu'au dernier! Nous allons pouvoir mettre fin à cette rébellion ridicule une fois pour toutes! Et ne compte pas sur ces épouvantails de toutes les couleurs pour te sortir de là! Si des amis aussi vaillants qu'eux sont ralliés à notre cause, toi et ton maître maléfique ne pourrez plus imposer votre loi bien longtemps, et nous vous bannirons d'Edenoï pour toujours! Cette fois, vous allez affronter des adversaires à votre taille! Compagnons, détruisons ces barbares! Qu'est-ce qu'il y a? Au nom du roi Lexus, souverain absolu d'Edenoï, exophage activé! Et
Et maintenant, scélérat, vous allez subir la colère du mutant masqué et des Power Rangers. Dex, on est avec vous. Bon discours, Prince Dex, mais tu ne réussiras pas à nous impressionner si facilement. Écrasez-les immédiatement. Vous êtes sûr de pouvoir vous charger des griffus? Oui. Mettez vos amis à l'abri, on s'occupe de ces rigolos. Il est temps de détruire ces griffus. Dépêchez-vous. Vous n'auriez pas dû vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, terrien. Et toi, tu devrais descendre de tes grands chevaux. Eh ben, c'est incroyable, ça. T'es encore plus moche, je prête de loin. Bon, tu paieras chèrement pour ton impudence, étranger. Passons aux choses sérieuses. Et deux pour le prix d'un. Il faut la frapper beaucoup plus fort que ça. Vos tirs, c'est quand tu veux. Tu vas regretter ce que tu viens de faire, vermine. Lâchez les faits. T'es trop lent, vieux. Tu refoules du goulot, dis donc. Sois maudit. Aïe, 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 Zordon, c'est vraiment insupportable. Nous n'avons jamais été incapables de communiquer avec les Rangers pendant si longtemps. J'espère que tout va bien. Je suis certain qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les Rangers ne craignent rien. Tu devrais avoir confiance en leur capacité. Aïe, 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 je suis sûre que tu as raison, Zordon. Enfin, heureusement que tout est calme sur Terre. Finster, où es-tu? Amène ta carcasse, c'est Cathy sur le champ. Oui, ma reine chérie, je suis à votre service comme toujours. J'ai le plaisir de vous présenter le Répugnator. Quelle horreur de faire votre connaissance. Finster, tu t'es surpassé. Laissez-moi vous baiser la main, ma reine. Birk, Birk, Birk. Oh, vois cette chose à Angel Grove tout de suite, Zed. Oui, je sens que je vais faire beaucoup de bavures là-bas. Va, Répugnator, rase la ville entière. Que la destruction soit ton hymne guerrier. Et si jamais tu rencontrais ces incontournables et infernaux Power Rangers, n'aie aucune pitié, ne fais pas de quartier. Oui, ça me plaît comme ça. Allez, va, cours, vole. Comte de Dragon Noir, regarde, car la Terre et tous ses habitants seront bientôt à nous. À nous. Oh non, la lame se déclenche, Zordon. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça ne pouvait vraiment pas tomber plus mal. Mes détecteurs confirment que le Seigneur Z a encore envoyé un de ses monstres conquérir la Terre. Alpha, il faut essayer de le localiser sur le Vista Globe. Oui, Zordon, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, voilà. C'est le Répugnator, une créature extrêmement puissante. Par toutes les galaxies, quel horrible faciès, et il se dirige directement vers le centre-ville. Contacte les Power Rangers sur Edenoy immédiatement, Alpha. Il faut qu'ils reviennent sur la Terre. Je veux faire le maximum, mais je ne peux rien garantir, ils n'ont donné aucun signe de vie. Rien à faire, il est absolument impossible d'établir la moindre communication avec Edenoy. Je ne perçois que des parasites. Oh, quelle situation dramatique. Ranger, répondez-moi. Tommy, est-ce que tu me reçois? Oh, aïe, aïe, aïe. Rien d'autre que de l'électricité statique, je ne peux pas les joindre. Dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Contacte Kimberley sur le champ. Elle devra affronter le Répugnator toute seule. Entendu, Zordon. Je suppose qu'il n'y a aucune autre solution.
Mais Kimberley est toujours souffrante. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elle se sent d'attaque. Oh, oh là là. Kimberley, tu me reçois? Alpha, quoi de neuf? Il y a un monstre en liberté en ville, Kimberley. Je sais que tu n'es pas au mieux, mais on a besoin de toi. Tu te sens capable? Oui, je crois. Transmutation demandée. Pterodactyle. Yeah. On ne bouge plus, garde la pose, mon mignon. Tiens, 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 Ranger solitaire, mais c'est mon jour de chance. On m'a envoyé sur Terre pour croquer et avaler la ville entière. Mais tu fais une entrée très appétissante. Oui, et ben, ne t'emballe pas, mon canard. Parce que je suis peut-être toute seule, mais ce n'est pas pour autant que... Pardon. Bon bah, où est-ce qu'on en était? Tu étais en train de te vanter, petite Ranger Rose. Tu disais pouvoir me vaincre toute seule, mais tu auras beaucoup de mal. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Ah, je sais pas encore, mais tu m'en es déjà à la poussière. Viens par là, mon coco, montre-moi comment tu vas faire. Quand est-ce qu'on t'a coupé les ongles pour la dernière fois, hein? Ah, comment oses-tu m'éternuer dessus comme ça, maudite terrienne? Une créature aussi repoussante et baveuse que toi aurait peur de microbes? Si un monstre n'a plus la santé, il n'a plus rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Un brouilleur de molécules. Alors, est-ce que tu dis ça? Tu vas me le payer, répugnator. Personne ne brouille mes molécules sans se brûler les doigts. Et si je n'arrivais pas à le vaincre toute seule?